Bonjour Isabelle du Club Alpin de Strasbourg. Je vais vous parler aujourd'hui de comment de l'encordement sur un glacier et comment on s'encorde quand on est une cordée de plus de deux personnes. Le ton directionnel qu'on va mettre sur le ponté au niveau du baudrier. Voilà, donc on bloque bien. Il est maintenant en place au niveau du pontet. Pour le premier de cordée, donc on va faire avec le bout de la corde un nœud d'huître. Donc avec une toute petite boucle qu'on va fixer au niveau du mousqueton directionnel du premier de cordée. On ferme bien son mousqueton. Ensuite, on va laisser 10 mètres. On va faire un deuxième, un nœud d'huit. Donc avec une petite boucle. Huit avec un petit peu plus loin, une potence pour pouvoir donc attacher le nœud d'huit au pontet du deuxième. Qu'est-ce que je dois... sur la cordée, sur son mousqueton directionnel qu'on ferme. Et donc on va faire la même chose pour le troisième. On refait un nœud de 8 qu'on va fixer au niveau du mousqueton du ponté qu'on ferme. La cordée va pouvoir partir et donc ils partent corde tendue. Voilà, Léo part, le deuxième de cordée part corde tendue. On arrête là peut-être. Et on y va. Et les pouvez avancer.